Eh, c'est la FAQ numéro 2. Bonjour à tous les amis, c'est Flo El Pato de la chaîne Flo et Joe. Vous le savez maintenant, on se retrouve aujourd'hui en extérieur, regardez, avec des orties dégueulasses qui piquent, j'ai plus de cheville là actuellement. Putain. Et aujourd'hui les amis, on va faire la FAQ. On est encore tout seul parce que Joe n'est pas là. C'est quoi cette merde là-bas? Alors, on fait une FAQ sans moi? Non, en fait, je t'avais invité à la base. Ah oui, d'accord, c'est comme ça. Bah non, mais c'est pour... Ah putain! Ah non, mais attends, c'est bon quoi? Ah, mais ça pique aussi. Bon bah on se retrouve comme la dernière fois, vous avez été beaucoup à me le dire que je faisais enfant aux côtés de Joe. Enfin une FAQ à deux hein. Tiens, montre ton bras comparé au mien, comme ça on voit. Vous voyez la différence? Bah j'ai pas tant que... Bref, on est là pour faire la FAQ numéro 2. Et c'est incroyable. Alors les amis, on va répondre du coup à vos questions. Parce que bah vous avez été beaucoup à nous demander, ça, même Hugo hein, qui a voulu faire ça pendant très, très longtemps. Et du coup, quoi? Là. On dirait pas une bite? Si. Bah. Si, c'est une bite. Ouais, si. Oh, Joe. Oui. Arrête. Non, c'est parce que je te jure, on. Non, mais c'est. C'est quand même flatté, on dirait. Non, une bite. C'est pas une bite, c'est une pomme de pain. C'est une bite. Ah, t'as déjà vu des bites dans les arbres? On est en 2018. Hein. T'as déjà joué à G-Mode? G-Mode, ouais. Bah, tu sais, on tient une chaîne à deux, là. Ouais. Même tu m'as dit, ouais, on va faire que du G-Mode dessus et tout, là. Tu sais? Tu m'as bien dit, ouais, on va tenir une chaîne et pour nos abonnés, justement, on va tenir. Je suis pas au courant. Moi. Une chaîne. Une chaîne G-Mode. Non, mais je connais pas G-Mode. Garry's Mode. Non, je connais pas G-Mode. C'est pas. Non, mais. Je connais Dofus. Mais pas. Le jeu en 4K, là. Ah ouais, bah ouais, mais cool, ouais. Bon. On a gagné de l'argent, pas beaucoup hein. C'est pour ça qu'on arrête la chaîne des. C'est pour ça qu'on arrête définitivement la chaîne. Ouais. Non, en fait c'est un bloc-notes, hein, c'est un mémo, hein, totalement. Et on a quelques questions marquées dessus, donc on va commencer tout de suite, je pense, avec les questions. C'est parti, allez. Je suis. Alors vas-y, je te laisse poser la première question. Mon ami Jackie Gordon, c'est toi qui commence. Gordon, tu vois, ça me dit quelque chose. Gordon. C'est pas Gordon. Les mecs qui pompent ton nom. Gordon, nom de fubier. Oh. Ah oui, moi aussi je me pique, mais je supporte la douleur, j'ai l'habitude. Oh. Alors, Jackie qui nous dit, peux-tu donner la fessée à Flo? On commence bien. Ah, on peut prendre ça. Bah, ça va être un peu... Ah, je vais bien donner la fessée à Flo, hein. Bah, avec le bâton, là, au pire. On fait ça où? Ah, bouge pas. Je vais chercher un bâton. Il est bien sale, en plus. Allez, baisse-toi. Pas fort, hein. Attends. Non, je vérifie que j'avais pas ma carte dedans. Alors ça, c'est pour tous les haters. C'est pour Jackie. Regarde, tu te chies dessus, hein, mon gars. Oh putain, ça. La fée, c'est pour toi, Jackie, hein. Ouais, c'est pour toi, Jackie. Alors, arrête ton cul, là. Suivant. Vas-y, grasse-moi. Suivant. Alors, c'est qui le suivant? Anthony Manhattan. Alors, comment t'es venu l'idée de créer un serve G-Mode? Je te la laisse parce que c'était pas mon idée de base. Un serveur G-Mode? Quel serveur G-Mode déjà? Ah oui, avec le loup, oui. Ouais, qu'on a volé. En fait, c'est pourquoi j'ai fait ça. Vas-y, dis. En fait, c'est simple. Je voyais que les G-Mode ça marchait bien, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire du G-Mode et comme ça va bien marcher, ça va amener des gens. Ah, mais moi, oui, G-Mode, j'ai créé un serveur il y a 3 ans
ce GTA France Life, et toi tu l'as pas connu? Non, je jouais pas du tout. On se parlait même pas, on se parlait même plus. On se connaissait, mais on se parlait plus. Ouais, mais non, parce qu'on s'aimait pas trop, quoi. Ouais. C'est pour ça que. Bah, parce qu'après, tu m'as dit, ouais, j'ai besoin d'argent, on fait une chaîne. J'ai dit, ouais. Mais oui, Gmod, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis j'ai investi 500 euros dedans, donc. Ouais, ouais, non, et bah moi j'ai rejoint le parcours après. C'est surtout pour moi après, hein, les gars. C'est, moi je fais du Gmod aussi, c'est pour moi. Hein. Ouais. C'est encore mieux que vous venez, mais bon. Ouais. Ils peuvent plus. La question suivante, je te la laisse. Ah putain. Alors, Mathieu Foller. Ah ouais. Comment Flo et toi vous vous êtes connus? Bon, on l'a déjà fait celle-là, donc on va répondre assez rapidement. Dans un bar à pute. C'est ça en plus, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Allez, question suivante. Allez, question suivante. C'est Jackie encore. Qui a marqué pourquoi Wolf City? À ton avis, pourquoi Wolf City? Tu as très exactement 8 secondes. J'aime les loups. Là, il y avait 4 secondes. Ah. Et t'as donné... Donc on refait. On refait. Hein. T'as exactement 8 secondes. C'est vrai, quand on y repense, on dirait quand même des bites. Hein. C'est probablement. Ah, tiens, c'est pas toi qui me donnais la définition probablement. Description à l'écran maintenant. Ouais. Bref, la réponse est terminée. Alors pourquoi Wall City, hein, c'est très simple. J'aime les loups. Voilà. Question suivante. Enzo Gordon. Ah, encore un Gordon. Putain, qu'est-ce qu'il pompe, hein, c'est Putain, donc... c'est Gordon. Alors qui est Flo et qui est Joe? Ah bah moi c'est Marc. Et Joe. Non, moi c'est Marc. Et depuis le début, il croit que c'est toi Flo. Alors, on va vous raconter un truc, et c'est vraiment pas une blague, je vous le jure. Joe va vous confirmer que c'est pas une blague. Ah, vas-y, c'est vrai. Depuis le début, je dis je suis Flo El Pato, Flo, etc. Mais pour de vrai, je suis Geoffrey. Je suis Florian. Et lui, c'est Florian. C'est parce qu'en fait, on s'est dit, tout le monde, quand tu fais une chaîne en duo, par exemple, McFly et Carlito, même si c'est pas leur vrai prénom, bah, lui, c'est McFly, lui, c'est Carlito. En fait, ils se donnent leur vrai surnom. Et nous, on s'est dit, bah, pour pas faire comme tout le monde, on va vous faire croire, en fait, on va échanger. On va piéger tout simplement. Donc moi, et je eux, dis ils sont que... tombés dedans. Bah c'est ça. Donc je suis Joe. Et je suis Flo. Voilà. Voilà. Comme je pourrais dire, je suis Flo. Et toi, tu es Joe. Et oui, tout à fait. Oui, on peut vous mentir. Vos mères les tricératops. Vos mères les tricératops. Ouais. Question suivante. Question suivante. Ah bah Hugo. Ah bah Hugo. Ah putain. 200 balles, qui c'est qui les veut? Notre ami. Le... Trop tard. On a tellement de thunes, ça sert à rien. Bon. Notre ami le Canadien. Votre pire connerie. Je te laisse commencer pour ta pire connerie, Flo. J'aurais fait un fuck à Hugo, c'est pour ça. Ma pire connerie. Bah, moi, je suis un mec très gentil déjà dans la vie, donc je fais pas trop de conneries. Non, je pense que une de mes pires conneries, ça serait. Dis-moi un peu. Tu me l'as peut-être raconté à moi, mais. Bah, c'est. Bah, je peux pas raconter ça aussi sur la chaîne, donc faut que j'en trouve une autre. Parce que bah, c'est. Ah putain, Mérine, c'est ça? Non, c'est un délire autre que. Ça pique les orties. Voilà, ça pique très fort. Oh putain, ma pire connerie? Tu l'as déjà dit en live en plus, toi. Alors, c'était avec ouais, ceux qui. Putain, ça pique vraiment les orties. Ouais, ça fait mal, moi j'ai plus de jambes. Alors, ma pire connerie, oui, c'était avec une fille, je te dis raconter. Hein, ouais. Clarisse, qu'elle s'appelait. Oh Clarisse! Déjà aussi il y a des Clarisse qui regardent la vidéo. Il a quoi? C'est une rime qui m'est fait. Ah oui, mais ouais, j'étais fou amoureux de cette Clarisse. Ah, j'étais complètement fou. Mais je savais que j'avais aucune chance parce que tu vois à l'époque je faisais genre 1m40, 96 kilos, tu vois. Elle me plaisait beaucoup et puis d'un seul coup, elle est venue me chercher dans un couloir pour carrément mettre les poings sur les lits et me dire Geoffrey, stop. Entre nous, il n'y aura rien du tout, je te le dis clairement. Et puis j'ai continué, moi j'ai dit ouais, mais tu me plais tout. Et là, je me souviens, j'ai mis la main sur l'épaule parce que je voulais faire un petit bisou là. Je suis mignon, hein, des fois. Et ce qu'elle a fait, ce qu'elle aurait probablement, description maintenant, ce qu'elle aurait dû probablement pas faire, elle m'a donné une gifle. Et puis moi, bah, par vengeance, je me suis dit, bah, je vais pas frapper moi à main nue une fille. Un homme ne frappe pas une fille. J'ai fait plus simple. Il y avait un extincteur à côté de moi. Je me suis dit, bah tiens, puisque ça va pas être mes mains qui va la frapper, bah, je vais prendre l'extincteur. Et ça a fini, l'extincteur il a fini dans sa gueule. Ouais, Et là, ça m'a coûté cher quand même. Hein. C'était cool, hein. Oh putain, c'était une sacrée connerie. La question suivante. Si un jour on a un trophée YouTube, qui va le garder? C'est très simple. Oui, c'est moi. Alors Léo, vous serez à la PGW. Ouais, clairement, oui. Hein. Ouais, bah oui. Demain, on y sera. Demain, on y est. Vous aimez Kita? Totalement.
non, Joe, ça c'est. Joe, pas mal en bas. Range. Oui, merde. Il regarde nos vidéos, hein. Je te l'avais pas dit, mais il regarde nos vidéos. Akita regarde nos vidéos ? Oui. C'est vrai ? Oui, Akita nous regarde. Le grand hacker Le. Oh, Monseigneur. Oh, putain ! Incroyable, va te faire enculer. Bah, quitte à être un connard, autant l'être jusqu'au bout. Ah ! Ça, c'est rien, mon gars. This is my world. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Je te jure qu'on dirait des bites. Si tu t'approches bien. Franchement, regarde bien. N'hésite pas à t'approcher, hein, n'hésite pas. Écoute. Ah, des pommes de pain, quoi. C'est plus sérieux. Après avoir parlé de Kita. Question suivante. Alex, elle est pour toi. Alex. Elle embrique pas la gueule. Quelle est votre plus grosse bagarre? Alors, tu commences ou je commence? Bah, commence. Vas-y. Alors, c'était un troisième, oui, je me rappelais. Donc, rappelez-vous, hein, je vous ai dit que j'étais quand même le mec obèse à la base. Hein. Du coup, il arrêtait pas de m'insulter, c'était toujours le même d'ailleurs. Hein. Il s'appelait Maxime. Si tu regardes la vidéo, dédicace à toi. Il m'insultait et à un moment j'en ai eu marre. Et je lui ai donné un coup de pied dans sa poche. J'ai entendu clac. J'ai dit merde, c'est quoi ça? Et c'était sa PSP. Oh, la PSP, donc, putain, tellement vieux aussi. Il a été voir le CP hein, du coup. Et le CP il a clairement dit j'en ai rien à foutre, t'avais pas qu'à ramener ça à l'école. Il est revenu me voir. Et là, il m'a carrément foutu une perte. Ben, ce que j'ai fait, j'ai redonné un coup de pied, mais là, pas dans sa poche, dans sa jambe. Et mes chaussures, c'était des chaussures de sécu. Ben, il a fini à l'hosto. Bah oui, comme moi, il y a quelques années après. Oui, et ben, ceux qui connaissent l'histoire, hein, ceux qui l'ont vu, il y en a qui l'ont vu, qui regardent la vidéo d'ailleurs, ils pourront le confirmer. Et oui, je me rappelle très bien, et j'ai été expulsé une semaine. Moi la mienne. Tous les troisièmes on les aime pas. Hein, ouais. Moi la mienne c'était pareil, c'était avec un troisième, donc je venais de rentrer en sixième. Et en fait j'étais très très pote avec une fille qui était en quatrième, que je connaissais et tout. Et genre en fait, elle et moi, on se parlait bien quoi, on rigolait. Moi j'étais en kiff sur elle, mais elle pas du tout, parce qu'elle avait un copain qui était en troisième. Ouais. Mais je le savais pas. Et donc il y a le mec de troisième qui est venu m'emmerder, etc. Et puis bah moi j'ai toujours été, malgré que je suis très maigre, etc., quelqu'un de très nerveux. Oui, je veux. Et du coup, bah j'ai pas cherché à comprendre. Je veux dire, je l'ai pas frappé qu'avec mes poings, je prenais tout ce qu'il y avait sous la main, je l'ai démonté. Bon après ses potes ils m'ont mis la gueule en bois. Hein. En fait c'est seulement le lendemain. Quand la fille a dit je vais te présenter mon copain et tout, parce que bah, on parlait vraiment bien et qu'elle a dit mon copain il a envie de te rencontrer et tout, bah je me suis rendu compte que son copain c'était le mec que j'avais maravé. Ah, ça c'est énorme. Et puis bah, on a tout simplement perdu une belle amitié. Ah ça c'est énorme n'empêche. Ouais. Allez vous faire plus de vidéos sur Modern Combat Versus. Alors ça c'est pour toi. Bah. J'ai joué sur iPad mais pas plus que ça, j'ai désinstallé. Mal, hein. 600 balles les gars, 600 balles. Alors, Modern Combat Versus, bah si vous voulez plus de vidéos, oui. Mais, n'oubliez pas, si vous voulez, il y a Enzo Gordon et Alexandre Corleone du serveur, donc Wolf City, qui font régulièrement des lives dessus. Donc si vous voulez aussi regarder et tout, ils font des lives dessus. Et puis moi, si vous voulez que j'en fasse des vidéos dessus de temps en temps, bah je referai quelques vidéos dessus, il n'y a pas de souci. Mais regardez-les! Parce que quand c'est pas du G-Mod, qu'est-ce qu'on fait vu. On regarde pas les vidéos. Oh tiens, moi je vais leur niquer la gueule. 13 vues. Quoi 13 vues? C'est ça que tu fais, 13 vues. Mais quand c'est G-Mod, 500 vues mon gars. Les amis, cette vidéo devient beaucoup trop longue pour une FAQ. De toute façon, il y aura les cuts et tout après. Bon, on va juste mettre au clair tout de suite un petit détail. Oh oui. On va parler de ça. On va reparler de G-Mod. Wall City. Alors, où ça en est, Wall City? Est-ce que le serveur est down? Est-ce que le serveur... Est-ce que les add-ons ont leak? On va en parler maintenant, tout de suite, vas-y, et très rapidement. Pose-moi les questions, je te réponds. Alors, Joe, est-ce que le serveur est fermé? Oui, pour le moment. Pourquoi? Il n'y a personne qui peut y aller. Je vous ai dit qu'il est en maintenance, mais ça fait là plus de un mois que je n'ai pas été dessus. Mon serveur a expiré. Je n'ai plus de serveur. Donc, pour le moment, il n'y a plus de Wall City. Mais est-ce que Wall City va revenir un jour ou est-ce que c'est complètement à l'abandon? Alors si, on l'a dit, si on commence à avoir plus de vues, même sur les vidéos de Flo,
Je pourrais refaire quand même du Wave City parce que j'ai pas envie de refaire un Wave City repayé 20 balles par mois pour qu'il y ait 3-4 personnes dessus tous les mois. Ouais. Quand vous regardez une vidéo et que vous n'aimez pas Wave City, peut-être que vous suivez la chaîne. Premièrement, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais Flo et Joe, ce n'est pas du tout une chaîne Gmod. Ça c'est clair. C'est clairement c'est pas ça. C'est du multigaming. Même si on perd 200 abonnés et là, rien qu'à dire ça. Rien qu'à dire ça, mais c'est comme ça. C'est je préfère perdre 200 abonnés et garder justement les autres abonnés qui seront pour moi des vrais abonnés. Même si c'est de base un truc qui vous intéresse pas, on vous oblige pas à regarder, ça c'est sûr. On va pas obliger quelqu'un à regarder nos vidéos. Mais essayez d'être un minimum curieux. Là, ce qui se passe, c'est que quand on fait pas de Gmod, bah nos vues, elles chutent, mais complètement. Mort. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on a plus d'audience. Plus de likes, plus de commentaires à part les gens Enzo, Hugo, Alexandre, à part ces gens-là, on n'a plus du tout, on n'a plus rien en fait. Et du coup, ça fait que nous, bah, on se dit quoi? Si on fait pas de Gmod, ça marchera pas. Notre chaîne, elle marche pas. Même en live, hein, ça, je le vois, hein, quand je fais des lives maintenant que c'est plus du Gmod, bah, quand je faisais du Gmod en live, je te jure, on était 30. Hein. Ouais, et puis même, il y a tout le monde parlait. Là maintenant, il y a 3-4 personnes qui partent sur les lives. Tu te rappelles, j'ai fait un live, même t'es venu dessus. Ouais. Et tu m'as même fait la réflexion, ouais, t'as vu, maintenant il y a 4-5 personnes. Ouais, il y a 4-5 personnes qui. Et c'est ça, les gars, c'est si on fera moins de vues, il y aura moins de personnes. Et après, vous allez sur mes lives, vous faites chier parce qu'avant, on est 30. Bah, puis même, vous parlez même entre vous. Faut se mettre à notre place. Je vais m'asseoir derrière mon ordinateur, je vais vouloir tourner une vidéo et faire un montage. Je vais être content de moi. Je vais passer au moins 2-3 heures sur le montage. Ensuite, je vais passer 2-3 heures à la foutre sur YouTube. Et tout ce temps va me servir strictement à rien. Parce qu'il va y avoir allez, une dizaine de personnes qui vont regarder. Donc du coup, moi, je me dis quoi? Bah Flo, ah, qu'est-ce qu'on a? Il y a personne qui regarde, ça sert à rien que tu continues d'en faire. Ça. Après, donc bah, ça me force à être irrégulier. Puis il y a moins de vidéos. Et puis forcément, même Joe, quand il voit l'audience actuelle de la chaîne, il se dit, bah si je fais un serveur Gmod, ça va faire quoi? Est-ce qu'il va pas encore une fois complètement couler? Donc voilà, donc restez fidèles. Et voilà, s'il y a une vidéo qui vous intéresse pas de base, essayez quand même de regarder. Si ça vous plaît pas, bah à ce moment-là, bah, arrêtez de regarder. On vous force pas, mais au moins, essayez de vous intéresser au moins une, deux minutes, quoi. Essayez au moins de regarder une, après, deux minutes de vidéo. Comme on l'a dit plusieurs fois, n'hésitez pas en commentaire à proposer dire ce que vous voulez, vous. Parce que nous, on est là, on fait des vidéos, mais... Vous voulez pas, enfin vous voulez faire un truc, oui on veut pas regarder ces vidéos là parce qu'on aime pas, mais vous proposez pas un jeu. Donc dès à présent vous pouvez le mettre dans la vidéo. Ouais, là, vous pouvez proposer, vous pouvez proposer des idées de jeu et puis nous après on voit avec Joe si c'est possible. Ce que je pourrais faire c'est, vous avez aimé là, c'est le truc le sais-tu. Ouais le sais-tu avec ouais. Le mégalodon, il y a même Riman qui m'a dit il fait sur le tyrannosaure, il y en a trois qui. Ah Riman, salut. Salut Riman. Big up à Riman. Ouais Riman, j'oublie pas hein, ce que tu m'as dit, que tu voulais sur le tyrannosaure, je le ferai. Bon voilà les amis, je pense qu'on aura répondu à cette question, qu'on aura fait assez le point. Hein Joe, qu'est-ce que tu en as pensé, écoute, c'était oui, bien. Et puis bah, je pense qu'on peut peut-être promettre à l'avenir, puisque le nom on l'a dit, il n'y aura pas que du Gmod. Voilà. Peut-être plus de vidéos IRL. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Hein, le like fait toujours plaisir, ça fait toujours ouais plaisir. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Flo et Joe. Et... bah à très bientôt, c'était Flo le Pato pour vous servir, ouais. Je te jure, on dirait vraiment une bite. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je te jure, je te promets, sur qui tu veux. Regarde bien. Oublie tout le feuillage autour, le végétal. Oublie et regarde au milieu. Alors? Ouais. Ouais, là c'est vrai qu'on dirait une bite, ouais. Et voilà, c'est vraiment une bite. Ouais, t'as raison, on se casse.